Bonjour à vous. Je suis bien contente de vous retrouver et nous allons faire aujourd'hui une recette à base de pommes de terre, les latkes. On va commencer par les éplucher. Alors là, j'ai pris les pommes de terre les plus farineuses possibles. Alors je vous recommande des Manon ou des Binge, parce que on a besoin d'avoir un liant. Alors naturellement, on peut rajouter du liant dans la recette, mais moi je n'en ai pas mis. Donc on va bien les éplucher et on va les mettre à tremper dans l'eau. Alors il y a des variétés en France. On appelle ça les galettes bressanes, entre autres, dans le pays de Bresse. C'est à peu près la même chose. Et ça, c'est quelque chose que j'adore. C'est un petit peu gras, mais en hiver, ça fait du bien. On les rince bien pour enlever toute la terre qui reste. Vérifier qu'il n'y a pas de petits morceaux d'épluchure oubliés. Oui, vous voyez. Quand il y a la terre, on se rend moins compte. Alors là, on va faire une recette pour à peu près 5-6 personnes. Après, ça dépend des appétits, si on mange que ça ou si on le fait à l'apéritif. Parce qu'on peut servir ces petites galettes de pommes de terre à l'apéro, avec des petites herbes fraîches, de la crème, et éventuellement du saumon, une petite tranche de saumon fumé par-dessus. Ça devient quelque chose de chic. Voilà. Et voilà nos pommes de terre râpées. Magnifiques. On va les mettre à tremper dans l'eau pour récupérer tout l'amidon. Hop, sortir l'amidon, pour extraire l'amidon, pas récupérer. Hop. Il faut vraiment de la... ce qui est le plus fin. Voilà. Et on va mettre ça dans l'eau. Eau froide, hein, bien sûr. Alors, tranche fine, sinon vous le passez au robot comme on a passé tout à l'heure les pommes de terre. Pour avoir vraiment des petits morceaux. Et là, on voit qu'il y a plein d'eau dans l'oignon. Donc, on va enlever le maximum d'eau pour que nos latkes soient pas détrempés et se tiennent bien à la cuisson. Voilà, je commence à avoir du chagrin. De végétation. Hop. Et surtout, on se frotte pas les yeux après.
Voilà. Et ça mouille au fur et à mesure. Absolument pas cette technique. Hein. Sinon tu prends une mousseline ou un torchon, voilà, mais hop. Pour les faire dégorger un peu. Quoi. Bah oui, c'est histoire d'enlever le maximum d'eau. Regarde, ça s'humidifie au fur et à mesure. Ah, voilà. Hop là. Alors, on va mettre ça dans un petit récipient. Voilà, notre oignon haché et on a bien séché avec le sopalin. Oui, enlever le maximum d'eau de végétation. Avec le sopalin. Si vous avez préféré, vous faites ça dans un torchon ou une mousseline. Alors maintenant, on va faire la même chose avec nos pommes de terre. Voilà, vous voyez, ça mousse bien. Bien presser pour faire partir le maximum d'eau. Et là, on va prendre un torchon propre. Alors, torchon propre, hein, naturellement. Ça va sans le dire. Hop. Tu vois l'eau qui vient? Vraiment bien essorer. Si on voit qu'il y a trop d'eau, on prend un autre torchon. On passera à la machine après. Il faut vraiment bien faire sécher. Donc ça, c'est l'étape importante de la recette, si on veut que nos latkes tiennent bien à la cuisson. Donc là, on était parti sur 500 g de pommes de terre, un oignon et on va mettre deux œufs. Alors, si vos œufs sont très gros, vous augmentez un petit peu plus la quantité de pommes de terre. Hein, vous jugez. Alors, des petites recommandations pour les œufs. Alors, pour les œufs, pas besoin de les laver comme j'entends parfois. Les garder à température ambiante, toujours. Et, parce que ça se garde très bien, sans problème, et la date, vous vous en moquez. Surtout si vous les faites bien cuire, sauf si vous voulez manger un œuf coq ou une mayonnaise, mais là où il faut un œuf frais, mais sinon, gardez les œufs vraiment longtemps. On casse, d'abord, vous avez vu, j'ai cogné là, et après, on écarte les deux moitiés de la coquille. Et comme ce sont des œufs bio, la coquille est bien solide, bien ferme. Là, c'est des œufs aussi de la région. Ça va être. Alors j'ai mis un petit peu de sel sur les pommes de terre. Hop, on rajoute tout ça. On va mélanger avec une spatule. Et on va faire des petites galettes qu'on va faire cuire à l'huile. Alors idéalement, il faut les manger peu de temps après. Ouais, les avoir préparés, ouais, comme tout ce qui est frit. Voilà.
Alors là, j'ai lavé mon persil et je le hache finement. Alors, on peut aussi mettre de la ciboulette. Hein, voilà, une herbe bien parfumée, naturellement. C'est du persil plat, ça a plus de goût que persil frisé. Hop là, voilà, on va rajouter ça. Ça sent bon. Donc il faut faire des petites galettes en serrant bien dans ses mains. Voilà, on va essayer. En tassant bien, ça c'est important, pour que ça se tienne bien à la cuisson. Alors si vous trouvez que c'est, vous voulez vraiment un liant en plus, vous rajoutez de la fécule de pomme de terre ou de la farine à pain enzyme. Voilà. Hop là. Et on façonne des jolies galettes. Pas trop épaisses, hein, à peu près un bon centimètre. Hein, c'est pas. Faut pas que ça fasse quelque chose du mastoc, sinon ça va pas cuire. Voilà, il y a encore du jus qui sort. Alors c'est normal, il y a aussi les œufs. Voilà, on va commencer par en faire 4. Hop là. Voilà. Hop. On essaie de bien serrer. Et ça, vous pouvez les faire en mini portions pour l'apéritif. C'est délicieux. Va faire chauffer de l'huile de pépins de raisin ou huile de tournesol, ce que vous avez. On en met pas mal, vous voyez, parce qu'il faut que ça puisse frire, notre petite galette puisse frire dans l'huile. Pour vérifier si l'huile est chaude, on va mettre un petit peu. Ouais, ça commence à. Oui, hop là. Petit test. Alors, on va baisser, c'est un petit peu fort. Il faut que ça grille, mais. Et il faut compter à peu près 5 minutes de cuisson. De chaque côté ou au total? Au total. Et tu les retournes en fait? Je vais les retourner, oui. Une fois que ça sera bien grillé d'un côté. C'est une école, hein. Ouais. On est là pour apprendre. Et puis on est en pleine période de Hanouka, donc précisément la période où on fait frire des mets dans l'huile pour se rappeler le miracle de l'huile qui a été renouvelée dans le temple pendant 8 jours, le temps qu'on puisse refaire de l'huile. Et typiquement, les latkes, c'est un plat de Hanouka puisque c'est un plat de pommes de terre frites. Oui, avec ta spatule, là tu peux toucher pour t'aider et tu poses délicatement. Attention, voilà. Ça grésille bien, c'est superbe. C'est bon signe, hein. Oui. Voilà, exactement. Et voilà. Et on va les laisser cuire et pendant ce temps-là, tu pourras en façonner d'autres. Oh, c'est super, magnifique. Merci Sylvie.